Le chien, lui, ne pense pas à 2025, pendant que nous sommes en 2021. Nous, les êtres humains, nous pouvons le faire. Nous avons le projet pour 2025. Mais les enfants ne pensent pas à 2025. Ils n'ont pas vraiment les projets. C'est pour ça qu'il dit que les chiens, durant toute leur vie, ont un cerveau comme les enfants de moins de 7 ans. Ou alors comme les enfants de moins de 5 ans. Comprenez juste un peu le rythme, la logique qu'il y a derrière. Ça veut dire que quoi? Lorsque je vais punir mon chien, par exemple, je dois punir mon chien si j'ai attrapé mon chien sur le coup. Si par exemple tu as déposé de la viande dans ta marmite, il y a de la viande à la marmite à la maison. Et disons que ton chien vit dans le salon, dans la maison, à l'intérieur. Le matin, tu te réveilles, tu te rends compte que le chien a volé dans la marmite. La plupart du temps, les gens se fâchent. Oh, le chien, c'est encore entré dans ma marmite. Pourtant, j'ai le chien de mon voisin, j'ai le chien de mon ami, de ma cousine, de mon frère, qui est très obéissant, il est bien éduqué. Il ne fait jamais les choses comme ça là. Et on commence à s'emballer. Pourquoi? Parce que le chien a volé dans notre marmite. Et le matin, lorsqu'on se réveille, on essaie de punir le chien. Sauf que la punition n'aura vraiment pas de fait. Pourquoi? Parce que le chien ne sera plus de ce qui s'est passé. Mais comme j'aime souvent dire, si tu punis le chien, 1 heure de temps après, 2 heures de temps après, même 5 minutes de temps après, il n'y a carrément pas d'effet. Ça, c'est certain. Mais la pire des choses est que, au moment où tu es en train de punir le chien, peut-être le chien a commis un acte que tu n'aimes pas. Aux environs de 1 heure, il a volé de la viande dans ta marmite, ou il a fait quelque chose, il a fait une gaffe autour de 1 heure, et tu te réveilles à 6 heures, tu as constaté cela. Si tu te réveilles à 6 heures et que tu t'emballes et que tu te fâches et tu décides de punir le chien, je ne sais pas la punition que vous utilisez, mais peu importe la punition, si vous le faites, sachez que vous êtes indirectement en train de détruire peut-être un bon comportement que le chien a eu au moment où vous êtes arrivé à 6 heures. Qu'est-ce que je veux par là dire? Imagine un instant que lorsque tu arrives à 6 heures, ton chien avait décidé d'éteindre les lumières partout dans la maison. C'est un scénario, ça a l'air bête, mais c'est possible. Juste pour que vous compreniez un peu. Donc tu arrives à 6 heures, ton chien venait juste d'éteindre les lumières dans chaque coin de la maison. Ça veut dire que quoi? Le chien a peut-être pensé qu'il faut économiser le courant, l'énergie. Donc le chien a eu cette idée-là. Toi, tu ne savais pas. Maintenant, tu arrives à 6 heures et comme tu ne penses qu'à ta viande que le chien a volé dans la nuit, tu te mets à punir le chien. Ce qui va se passer, c'est que dans ton cerveau, tu vas croire que le chien ne va plus jamais voler la viande dans la marmite. Pourquoi? Parce que tu as puni. Et tu es en train de voir que le chien montre un peu un côté où il est désolé. C'est ça qu'on pense souvent, n'est-ce pas? Que non, le chien a compris. Mais sauf qu'il n'a pas compris. Le chien n'a rien compris. Mais voilà ce que le chien a compris. Le chien a compris que pour avoir éteint les lumières à 6 heures du matin pour économiser l'énergie, c'était mauvais. Mais sauf que nous savons que ce n'est pas mauvais. Si on veut économiser de l'énergie, on se réveille très tôt, on éteint partout, c'est quelque chose de bien. Mais comme tu ne savais pas que le chien l'avait fait, tu es venu, tu as puni le chien pour quelque chose qu'il a fait aux environs de 1 heure du matin, parce qu'il a volé dans la marmite aux environs de 1 heure. Le chien maintenant, lui, sait que tu as puni. Pourquoi? Parce qu'il éteint les lumières. Ça veut dire que si le chien des autres, de tes voisins, savent comment éteindre les lumières, tu vas commencer à dire, mais pourquoi mon chien n'éteint pas les lumières le matin chez moi? Mais les chiens de mes voisins le font bien. Donc maintenant, tu veux que ton chien commence à éteindre les lumières désormais, mais tu ne te rends même pas compte que tu as puni le chien pour l'avoir fait involontairement. Tu ne savais pas. Tu croyais que tu avais puni le chien pour avoir volé dans la nuit, dans ta marmite. Oh, tu viens de punir un chien pour avoir commis une belle action. Vous pouvez prendre l'exemple ici et généraliser sur plusieurs autres sujets. Vous allez comprendre qu'on passe le temps à punir les chiens, croyant qu'on a puni le chien pour un acte, sauf que le chien lui l'a compris autre chose. Bizarrement, le lendemain, le chien va encore voler la viande à 1 heure. Pourquoi? Parce que je n'ai pas puni le chien pour la fête de viande. Le chien va comprendre que mon maître hier m'a puni parce que j'ai éteint les lumières partout.
Mais je vais moi continuer à voler moi la viande parce qu'il ne m'a jamais puni contre ça. Ça veut dire que si tu veux résoudre le problème de vol de viande que ton chien a commis souvent autour de 1 heure, tu peux avoir une caméra. Si tu connais bien évidemment l'heure à laquelle le chien vole souvent, tu prends une caméra, tu vas placer dans la cuisine et tu ne dors pas durant toutes ces nuits. Oui, oui, c'est comme ça qu'on veut résoudre un problème. C'est la raison pour laquelle je dis souvent qu'on ne résout pas tout problème directement. On ne résout pas tout problème directement. Je vais revenir sur ce sujet. Donc, si j'ai la caméra me permet de savoir à quel moment le chien est en train de passer à l'acte. Et peut-être j'ai mis un haut-parleur dans la cuisine. Au moment où le chien me passe à l'acte, qu'est-ce qu'il dit? J'utilise mon micro étant dans ma chambre. Il dit, non, ne touche pas ça. Le chien va rester comme ça. Il dit que, hey, je croyais que mon maître dormait. Il est encore dans les environs. Et c'est comme ça que vous avez le contrôle sur votre chien. Désormais, le chien va savoir que même quand mon maître n'est pas là, il peut encore avoir le contrôle sur moi. Et lorsque tu as réussi ça, tu auras le meilleur chien. J'espère que vous avez compris quelque chose d'assez important. Vous allez voir que si on prend cet exemple pour généraliser un peu partout, les chiens souffrent entre nos mains pour rien. Vraiment pour rien. J'espère que vous avez compris quelque chose aujourd'hui et que ça va beaucoup vous aider. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en commentaire et je me fais le plaisir de répondre à vos questions. Ensemble, on échange. N'hésitez surtout pas à partager vos avis, vos expériences avec moi. Ça m'aide à m'améliorer aussi parce que plus j'essaye d'instruire, plus j'apprends. Et c'est comme ça qu'on évolue. Je n'ai pas le monopole du savoir, mais je partage quelque chose d'assez pertinent, d'assez important, quelque chose de logique. Le plus important est de comprendre le mode de fonctionnement d'un chien. Et comme j'ai dit à un moment donné, ils ont un cerveau comme les enfants. Ça veut dire que quoi? Les enfants, lorsqu'ils mangent aujourd'hui, ils ne pensent pas à demain. Mais nous pensons à demain. Les enfants, non. Le chien, encore pire, lorsqu'il mange maintenant, il ne pense pas à demain. Il peut finir toute sa nourriture aujourd'hui. Pourtant, il y avait 3 jours, il n'avait pas trouvé de la nourriture. Le jour qu'il trouve de la nourriture, qu'est-ce qui se passe? Il mange tout. Et ils ne pensent pas à demain. Ce sont les animaux. C'est comme ça qu'ils sont. Et ils sont meilleurs comme ça. C'est la raison pour laquelle on arrive à faire des choses assez extraordinaires avec eux. S'ils arrivaient à fonctionner comme nous les êtres humains, on ne pouvait pas réaliser ce qu'on réalise avec eux. Mais comme ils sont comme ils sont, on réussit à avoir un excellent résultat avec eux. Merci beaucoup et à très bientôt.